Bonjour! Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous les deux, comment ça va? Bah bonjour, ça va très bien. Ça va bien, super, impec, très contente d'être là ce soir. C'est oui, cool. Je suis trop contente de vous avoir, je suis trop contente à chaque fois de chaque émission Time Out, mais particulièrement, bah, Mélissa, toi, je te connais déjà un petit peu pas mal, on s'est beaucoup croisés. Je connais d'ailleurs notamment le petit paravent qui est derrière toi. Je savais, je l'ai mis là exprès pour toi. Magnifique. Et Papayou, évidemment, je connais ton travail, comment on peut pas contourner? C'est incontournable. Oh bah si, bien sûr que si. On peut imprimer ton travail et on peut faire le tour, mais bon, on peut pas vraiment, enfin, on peut le contourner, mais on peut pas vraiment le contourner. Ouais, c'est plaisir. Avant de vous laisser vous présenter, je vais rapidement faire un petit récap de l'émission. Time Out, qu'est-ce que c'est? C'est une émission hebdomadaire, donc à chaque fois, deux nouveaux invités et toujours plein de questions. L'idée, c'est d'aborder des thématiques soit tabous, soit dont on parle assez peu, de vous faire parler voilà, de votre passé, de vos expériences, en sachant que ben, ça peut être des thématiques un petit peu difficiles, un peu touchy, un peu perso, un peu profondes, mais l'idée, c'est vraiment pas de vous mettre mal à l'aise, donc si à un moment, une question, vous la sentez pas, vraiment, il n'y a aucune obligation, vous pouvez tout simplement dire Joker, ou ne pas y répondre, ou dire non, ce que vous voulez. Mélissa! Est-ce que tu veux commencer? Dis-nous Annie. Tout, qui es-tu? Ah, oh, j'espérais compter sur Papayou pour commencer, pour pouvoir m'inspirer un petit peu. Tu me prends de court. Bon, alors très classique, je m'appelle effectivement Mélissa, j'ai 32 ans. Je suis originaire de Genève en Suisse. Ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans, allez, 12 ans maintenant, que je suis à Lyon avec des petits moments par intermittence. Durant lesquelles je suis rentrée au Bercail. Mais voilà, donc je suis ici, ça se passe plutôt bien. Je suis originaire donc, du domaine du jeu vidéo. À la base, je suis producteur. Donc j'ai bossé dans des studios comme Old Skull Games, il y en a peut-être qui connaissent, Ubisoft, un petit peu plus connu, et ainsi que d'autres un petit peu plus indépendants ou des studios qui ont fermé depuis, notamment un dans lequel j'ai eu la joie de collaborer avec Monsieur Papayou ici présent. Donc voilà, que puis-je dire? Désormais, j'ai quitté le monde du jeu vidéo puisque j'exerce la double fonction d'une part de photographe pro. Donc c'est une activité sur laquelle je suis en freelance depuis maintenant presque un an. Ça s'est développé petit à petit. Et en parallèle, je suis production traffic manager. Et sous ce terme un peu curieux se cache du coup... un job dans lequel, en fait, mon but, très grosso modo, hein, c'est d'assurer le staffing des différents projets sur lesquels on va pouvoir bosser dans la boîte que j'ai rejoint en janvier, qui est Make Me Pulse, qui est une boîte donc spécialisée, on peut dire, dans les sites web expérientiels, grosso modo. Donc voilà, je suis très contente de bosser là-bas. C'est super, super intéressant, super enrichissant. Et sinon, sur le plan un petit peu plus perso, j'aime beaucoup le beurre de cacahuète. Et j'ai fait une fixation toute particulière sur les plats épicés. Voilà. J'aime beaucoup cette présentation, incroyable. Merci. Oui, et je réalise que j'ai un peu fait une private joke avec ton paravent, et du coup, je vais expliquer que j'ai oui. posé devant ce paravent. D'où le voilà, photographe, shooting. Voilà, oui, tout oui. à fait. Papayou, qui es-tu? Dis-nous tout. Bah moi je ne m'appelle pas Papayou en vrai. Oui, c'est dommage. Hein. Comment je t'appelle du coup? Parce que moi je connais non, que Papayou. Non, je m'appelle Johan, mais le Papayou, je crois que même mes parents, mais non peut-être pas, mais c'est vraiment devenu commun quoi, qu'on m'appelle Papayou. Donc ça me va très bien. Et moi du coup je suis illustrateur, auteur et concept artiste pour le jeu vidéo, le cinéma, l'édition, le jeu de rôle. Et tout genre de choses et plein d'autres trucs aussi à côté. Et moi, je suis la raison Tourangelle de base. J'ai travaillé à Paris pendant 2 ans après mes études et après, je suis descendu. Ça fait une dizaine d'années que je suis freelance à Lyon. Mais t'es à Lyon ? Ah, mais ouais. Trop bien ! Mais ouais, je vois exactement où tu fais tes sessions de patin. Ouais, parce que je passais en vélo quand j'habitais à Lyon. Je passais en vélo sur les bords de Rhône le matin à cet endroit-là. Ça fait une dizaine d'années que je suis en freelance dans la région lyonnaise, mais je travaille pour le monde entier, que ce soit pour des Américains, pour des Français et autres, quoi. J'ai travaillé pour divers films et jeux vidéo, que ce soit
y a Assassin's Creed, Tomb Raider, des films comme Thor, le Marvel. En édition, je fais pas mal de couvertures de romans pour les éditions J'ai lu. J'ai fait des couvertures surtout de fantasy parce que c'est un peu mon domaine de prédilection. Et j'ai eu la chance d'illustrer des couvertures de J.R.R. Martin, de Robin Hobb, Terry Brooks et plein d'autres. Trop et voilà. Stylé. Et j'ai trois chiens. Des names comme voilà. Ça. Incroyable. Quelle a été votre pire galère en vacances? Pire galère. Alors moi c'est facile. Ah. Ok. Vas-y parce que moi je cherche. Alors ça date de septembre puisque c'était notre lune de miel en fait, mm-hmm. Dont on garde un excellent souvenir, mais ça a été galère sur galère. C'est l'anecdote. Ouais, tu l'as. Je crois que Fanny, toi aussi. En fait, donc le soir du mariage, on danse, on fait la fête. Forcément, c'est un mariage et en plus c'est le nôtre, donc quelle autre bonne raison que de sauter dans tous les sens et de faire les fous. Et donc Damien, mon mari toujours, saute un petit peu trop haut, peut-être un petit peu trop fort et peut-être un petit peu trop vite, et se fait les ligaments croisés à minuit. Donc on sait Attends, que c'est là... Attends, c'est déjà les ligaments croisés? C'est dans le genou. D'accord, en sautant? Ouais, en fait, il s'était déjà un petit peu blessé à son enterrement de vie de garçon, et je crois qu'il avait en plus quelques faiblesses dans le genou, je crois, par rapport à un accident passé, je sais plus si c'était celui-là ou l'autre. Mais ouais, du coup, ça a claqué quoi, ça a lâché et donc la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait une des personnes de sa famille qui est chirurgien traumato, donc qui a pu un petit peu regarder. Son père est kiné, sa mère est infirmière, donc on avait les ils avaient des attelles dans le véhicule, il avait déjà son ordonnance pour l'IRM rédigée 10 minutes après sur un coin de table. Enfin, c'était vraiment on va dire dans l'urgence. On a eu finalement de la chance dans ce problème-là. Et donc, on était censé partir 3 jours plus tard en van depuis Lyon, à savoir qu'on s'est marié à Montpellier, donc il fallait monter jusqu'à Lyon, prendre le van, et ensuite, avec le van, monter jusqu'à Oslo, et puis faire tout le tour de la Norvège en montant jusqu'au cercle polaire, puisque l'idée, c'était de faire un road trip en van. Donc on ne savait même pas si on allait pouvoir le faire. Il s'avère que à la dernière minute, on sait que finalement, il pourra conduire, mais toutes les randos qu'on avait prévu de faire, c'est mort. Donc on se dit c'est pas grave, on y va quand même, on profite, on fait notre trip, et puis de toute façon il y aura tellement de beaux paysages qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas profiter et passer un bon moment. Donc on y va. Le chien est malade pendant 2 jours, donc il nous retapisse le van de tout et de n'importe quoi. Donc l'enfer, on se réveillait en pleine nuit, le chien il était malade, bref c'était une vraie galère. On arrive à Oslo au bout de 48 heures. Et on se dit, pour tout ce qui est gaz, eau, électricité, tout ça, en fait, on s'en préoccupe pas trop, puisque au moment de récupérer le van, il nous explique que de toute façon, il n'y a pas forcément de problème, vu que c'est un voyage qui se passe en Europe et que pour recharger les réserves de gaz et autres, on peut le faire en Norvège, il n'y a pas de problème. Donc, elle nous explique les rudiments du fonctionnement et on y va, en fait, on fonce. En plus, le chien est malade, donc tout ce qu'on veut, c'est vite aller en Norvège pour pouvoir faire notre petit tour. Donc on arrive là-bas, on va dans un truc de gaz, donc dans une station-service. Et là, les mecs, ils nous disent, mais vous ne pouvez pas charger le gaz, là. Il vous faut un adaptateur. Enfin, mais attendez ça. Non. Attendez, comment ça, un adaptateur? Il dit, oui, nous, on a Norvège-France, mais vous, il faut France-Norvège. Là, vous ne trouverez pas, en fait, on n'a pas les clips pour pouvoir charger sur ces bonbonnes-là. Donc en fait, on a fait plusieurs magasins sur plusieurs jours vers la capitale et autour, sans trouver en fait, en étant vraiment bloqué avec cette histoire de gaz. À savoir que le véritable problème, c'est que dans les vannes, donc pour ceux qui n'ont jamais trop voyagé avec ce genre de véhicule, donc c'est un van aménagé avec la petite douche, les toilettes, de quoi faire à manger avec des petites plaques, un évier et un chauffage centralisé, ce qui était primordial vu que du coup, ça frisait les températures négatives, surtout vers le pôle arctique. Donc quand on dit pôle arctique, généralement on se dit il doit faire 20, moins 20, mais à cette époque de l'année il faisait plus autour de moins 5 jusque là où on voulait aller, donc ça allait, il faisait encore doux, mais il fait quand même froid. Et donc en fait il y a un système de gaz qui permet de chauffer l'eau, donc que ce soit pour la douche ou au robinet, mais qui permet aussi d'activer automatiquement le chauffage du van, qui en fait s'active automatiquement si la température descend en dessous de 3 degrés. Tout simplement parce que vu qu'il y a les stocks d'eau propre et d'eau sale, s'ils peuvent pas chauffer, du coup tu prends le risque de tout faire geler et ça fout en l'air toute la tuyauterie. Sauf que
sans gaz, du coup, bah, pas de chauffage, ce qui fait que le van potentiellement active son dernier rempart de sécurité qui est « je reverse l'intégralité de toutes les eaux, propres ou sales, par terre ». Ce qui est formellement Donc en fait, on s'est retrouvés à se peler les fesses, à dormir sous une couche de sac de couchage, une couche de duvet en plume, en tenue de ski, avec le chien qui venait dans le sac de couchage au niveau des pieds tellement elle n'en pouvait plus, elle se mettait en boule et tout. Et on avait froid parce qu'en plus, c'était mal isolé, les essuie-glaces ne fonctionnaient pas, nos pneus ils étaient lisses. Et on nous a dit à plusieurs reprises, mais les gars, vos pneus, là, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas continuer le voyage comme ça, il va pleuvoir bientôt dans 2 semaines, il y a des tempêtes, enfin, une galère absolument monstrueuse. On a essayé de voir le bon côté des choses tout le long du voyage. Et en fait, au bout de 2 semaines, on était censé passer un mois là-bas. Au bout de 2 semaines, on a dit non, mais laisse tomber, c'est trop, en fait. Là, ça devient douloureux, quoi, finalement. Et parce qu'on était en train de courir, en fait, à chaque fois, après la météo, pour s'assurer de ne pas dormir dans un endroit où, potentiellement, la météo pouvait passer en dessous de 3. Donc, en fait, on savait déjà qu'on ne pouvait pas monter jusqu'au cercle arctique, ni non plus voir les aurores boréales. Donc, un matin, on a dit, bon, OK, laisse tomber. On a fait machine arrière. On est passé par Rust. On s'est fait une journée à Europa Park. À savoir que, du coup, Damien n'a pas fait les 95% des attractions. Donc, j'ai fait une journée à Europa Park pendant qu'il gardait le chien, le pauvre. Et on a dit, bon, OK, vas-y, viens, on descend dans le sud. Et on est allé se griller la pilule et boire des Ricard pendant... Allez, ça a duré 1 semaine et demie, 2 semaines pour clôturer le voyage sur une note positive et durant laquelle il a pu un petit peu profiter aussi, le pauvre. Donc voilà, donc une énorme galère, mais qui s'est soldée par finalement quelque chose de positif. Ou en tout cas, on a essayé de le transformer en quelque chose de positif. Mais ouais, c'était chaud. Et toi, Papayou, tes galères de voyage ? Bah moi, en fait, je réfléchissais tout le long et en fait, je crois que j'en ai pas eu. Je peux être spontané sur le fait de décider de partir à un endroit ou à un autre hyper vite. Genre, sur un coup de tête, je vais dire, vas-y, bah, on part au Japon, vas-y. Je pars. Ce que j'ai fait l'été dernier, c'est je pars en autonomie dans les Alpes pendant une semaine. Mais en fait, à partir du moment où je vais me décider et le moment où je vais y aller, je vais tryhard, genre l'organisation et tous les cas de figure possibles et imaginables, quoi. Et en fait, ou sinon j'ai de la chance et que tout se déroule bien, en fait. Donc en fait, j'ai pas trop de galères. Je réfléchis. Le seul truc, c'est que bah, c'est des trucs de l'iPad là, mais en plus on me l'a rendu. Donc je crois que je n'ai pas eu de galère. C'était quoi la dernière fois on vous a menti ou trompé ? C'est m'est arrivé il y a pas longtemps, c'était genre il y a quelques jours. On a tenté de m'arnaquer via un taf. C'était un mec qui me contacte comme d'autres sur ma boîte mail pro. Il me dit qu'il m'a trouvé sur Twitter et tout, et il me donne une mission en bonne et due forme. Avec un brief et tout, je lui fais un devis qui me retourne signé avec un tampon, etc. Le gars fait partie d'une boîte qui est censée être aux Antilles, qui existe vraiment, je check vite fait sur Google. C'est une boîte qui fait de l'événement autour de jeux vidéo. Et là, il m'a demandé, il me décrit une mission. Il dit, on essaie de le faire en interne avec des trucs automatiques, on n'a pas réussi. Et c'est détouré, c'est un truc... éclaté à faire, hein. C'est genre ça me prend vraiment un quart d'heure, donc ça c'est pas trop grave. C'est détourer des joueurs de foot du jeu FIFA pour après, je suppose qu'ils vont en faire. Bref, et c'est un truc qui me payait 300 euros. Donc je le fais vraiment hyper vite, je lui envoie et tout. Et là, si on se radio, bon, après c'est un peu en fin de journée, donc je me dis le lendemain matin, il me répond, et le lendemain matin. Il me parle même pas du taf que je lui ai envoyé et tout. Il me dit direct, ma compta, t'as payé un truc qui était pour un autre freelance et du coup, il faudrait que tu nous rembourses. Et du coup, c'était 1750 euros. Qui était bien sur mon compte, mais c'était un chèque déposé à Paris. Et puis, le gars m'a harcelé plein de fois pour que je le paye très vite. Même par PayPal et tout, je lui disais que je pouvais pas par virement, il y avait un délai, etc. Bon, je savais que c'était une arnaque, mais du coup, voilà, on m'a menti, on essayait de m'escroquer. Mais du coup, dans l'histoire, est-ce qu'on t'a versé de la thune ? Non, bah du coup, le chèque, c'était un chèque volé, il a été retiré une semaine après. Ah, ok. Putain, moi j'aurais trop pas... J'aurais fait, ah bah oui, t'inquiète, je te... Tu sais, à partir du moment où il est sur ton compte, moi, je me serais trop fait avoir. Le chèque
Et en plus, le mec est censé être aux Antilles. Déjà, il m'appelle par téléphone alors qu'il est censé être 4 heures du mat aux Antilles. Il y avait trop de trucs qu'il ne connaît pas. Le truc était déposé. Le chèque, tu vois d'où il est déposé. Il est déposé dans une agence à Paris. Et là, je dis, bah non, c'est mort. Enfin, genre, jamais j'y touche. Pour l'instant, je me dis, au cas où, dans le petit pourcentage où c'est possiblement un mec honnête, qui a vraiment, je sais pas, qui a son comptable qui est à Paris, ou sa comptable qui est sur, en France et autres, je le break pas, mais je lui dis juste qu'il y a un délai parce que j'ajoute un nouveau compte, donc il y a un délai avant que je puisse faire des trucs avec. Et je lui dis qu'il y a 48 heures, ce qui est vrai en plus, il y a 48 heures, et il me dit ouais, mais par PayPal, et bah, déjà dès qu'il a commencé à me parler de PayPal et tout, je dis ouais, ouais, c'est sûr et certain. Et après, au bout de quelques jours, il a même plus rien dit du tout, il a dû se douter que je savais, et après j'ai eu confirmation de ma banquière que le chèque était volé. Et par contre, ça m'a mis mal parce que pendant deux jours, j'ai mon compte entier qui était en opposition, je pouvais plus rien faire. Ah, oh, je savais pas le, ça. Le temps qu'il règle le truc. Après, la banquière me connaît bien et quand elle a vu ce truc arriver, elle a vu que c'était affilié à moi et elle s'est tout de suite dit que c'était ça, enfin, que c'était un truc dans ce genre. Et du coup, je lui ai confirmé au téléphone et elle m'a tout débloqué directement. Donc, c'était cool, quoi. Mais sinon, ouais, bah, du coup, vu que ouais, c'est chèque volé, tout bloqué de, dans les deux sens, quoi. Et le mec a disparu. Après, ils m'ont dit vous pouvez porter plainte, mais ça servira à rien. J'ai fait, je me doute bien que ça servira à rien parce que le mec a dû donner que des faux trucs. Il est sûrement pas aux Antilles. Il a pris un numéro Siret au pif d'une boîte à l'autre bout du monde. Et donc voilà. Donc on m'a menti. C'est la dernière fois qu'on m'a menti. Putain. Et du coup, t'as pas été payé pour le boulot que t'as fait ? Bah non, mais bon, ça m'a pris un quart d'heure. Je trouvais ça très très bien payé. C'était... Mais j'ai détouré Neymar, Messi. Et... En plus, de base, j'ai eu un doute dès le début parce que les photos étaient en qualité dégueulasse. Genre, c'était des images, elles étaient. Alors, il y en a qui étaient en 200 par 300. Ah ouais, c'est... d'accord. Enfin, bref, c'était vraiment. Il y en a qui étaient un peu plus HD. Enfin, il n'y avait aucune cohérence entre. Trop bizarre. Les... Enfin, bref. Et c'est une histoire qui est très spécial puisqu'il a lu en ce moment même, en fait, j'ai une de mes meilleures amies qui est en pleine bataille, en fait, avec des gros problèmes de drogue. Et en fait, ça arrivait de manière très très soudaine. C'est quelqu'un qui avait jamais consommé de drogue de sa vie, hein, et ça arrivait de manière très soudaine, un petit peu après les premiers confinements. Elle a rencontré des personnes pas forcément super fréquentables. C'est quelqu'un qui est assez en quête d'amour, en fait, dans son quotidien, pour tout et avec plein de monde. Et en fait, de par le confinement et de par la situation qui était vraiment très particulière, elle s'est retrouvée très vite coupée du monde, ce qui a été un petit désastre, en fait, pour elle. Et donc, elle s'est raccrochée à ces personnes-là qui étaient disponibles pour elle à ce moment-là. Et ça a été une descente aux enfers abrupte, quoi. Abrupte. Et on l'a retrouvée dans un état absolument... absolument triste, en fait, une fois qu'on a pu recommencer à sortir et à se voir. Donc ça date de l'été dernier, ça. Donc elle avait du mal à en prendre conscience. Au final, elle s'est fait hospitaliser. Ça a été très très dur, hein. Ça a été vraiment une descente aux enfers. Et puis une fois arrivée tout en bas, elle a pu appuyer un coup pour commencer à remonter et à prendre un petit peu en charge le problème. Et là, elle est sortie il y a maintenant 3 semaines, 1 mois, du centre de soins dans lequel elle est restée plusieurs mois, et elle a replongé de plus belle, quoi. Donc, le truc, c'est qu'on ne savait pas que c'était le cas, mais en fait, on a appris par différents moyens que, en fait, elle avait repris depuis un petit moment, et ça a été une quantité de mensonges, de manipulations et de tentatives de faire culpabiliser tout le monde pour essayer de sortir un petit peu son épingle du jeu, enfin des comportements d'addict, en fait, finalement, hein. Rien de plus, rien de moins. C'est plus elle ni son caractère ni sa personne qui parle. C'est vraiment la personne qui est en manque, en fait, en manque de drogue et en manque de trouver des tous les moyens possibles pour pouvoir parvenir à la fin ultime, qui est avoir la réponse à son besoin, qui est obtenir une dose, quoi. Et ça a été ça a été dur à accepter, puisque en fait, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a pu côtoyer des personnes qui ont des problèmes de drogue. Moi, c'est quelque chose que j'avais un petit peu côtoyé durant mon enfance. Mais à ce niveau-là, de voir vraiment la personne tomber, puis essayer de l'accompagner, essayer de faire en sorte d'être avec elle, de lui montrer un peu la voie.
en fait, ça demande énormément de temps et on s'investit à fond, alors qu'en fait, le travail, il n'y a que la personne qui peut le faire. Nous, on ne peut que être là et l'aider et la soutenir. En réalité, tout ce qu'on peut faire ne sert au final presque strictement rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est apporter du support et c'est à la personne de savoir si elle le prend ou elle ne le prend pas. Et en fait, je pense qu'elle sait à quel point on a pu s'investir et de peur de, peut-être de peur de nous décevoir, nous a absolument rien dit et nous a caché par tous les moyens possibles et inimaginables, dont la manipulation, le fait qu'elle avait rechuté. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est compliqué comme situation. Et ouais, maintenant on sait que à part juste dire bah si jamais on est là, bah finalement on sait que on peut pas faire grand chose de plus en fait. Finalement, mais c'est dur. J'avoue que de se dire ah ouais, on a été pris pour des cons, mais essayer de pas le prendre personnellement en disant non, c'est pas elle en tant qu'individu qui nous prend pour des débiles en fait, c'est juste qu'elle est dans un engrenage qui la force en fait à aller là-dedans. C'est pas facile à faire comme travail de dire OK. Bon, prendre du recul par rapport à ça, mais ouais, je dirais que c'est la dernière fois qu'on m'a menti. Voilà. Mais c'est vrai que ça doit être horrible de se sentir impuissant. Ouais, complètement. Puis tu vois l'autre, en fait, tu vois les étapes, tu vois l'enchaînement, tu vois où est-ce qu'il mène, et bah tu peux rien faire en fait. Tu peux rien faire à part. Ouais, c'est le sentiment d'impuissance aussi qui fait que c'est dur à accepter. Ouais, c'est clair, complètement. Donc ouais, et puis on se dit toujours c'est la dernière étape avant le cercueil, quoi. Enfin, y a pas d'autre étape en fait. C'est soit elle se reprend en main et elle y arrive, mais personne lui fournit les moyens pour qu'elle puisse y arriver. En fait, c'est ça aussi qui est problématique. Et on s'est rendu compte en fait avec énormément de frayeur que le système était quand même ultra cassé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en termes de suivi, en termes d'accompagnement, en termes de réinsertion à la vie normale, il y avait que chi, quoi. Avec que chi. Et on s'est dit, putain, bah, heureusement que ma santé mentale, elle est solide, parce que le jour où ça se passe pas bien, et que j'ai besoin de support, et que j'ai besoin de cette aide, et que j'ai besoin des institutions, ben, c'est flippant, en fait. Tu dis, le jour où j'en ai besoin, qu'est-ce que ça va être, quoi. Quand tu vois comment ça a pu se passer pour cette personne-là, tu fais, ok, c'est chaud, c'est très très chaud. Quelqu'un à qui vous ne pourrez jamais pardonner. Je crois que personne m'a jamais rien fait de crasse ou autre. Je réfléchis en même temps, mais non. Ouais, moi j'ai une vie de bisounours. Mais c'est cool que tu sois entouré de personnes chouettes. Moi j'ai de la chance là-dessus, quoi. Qui se rattrape parce que tu parlais de deuxième chance, qui ensuite mais, se rattrape. Ouais, et après, c'est peut-être aussi sur le fait que dès que j'ai quelqu'un qui a une tendance un peu toxique et tout, je vais couper direct, même avant d'avoir un semblant de relation amicale ou autre avec... en fait, je vais juste... en fait, j'ai tellement pas assez de temps avec tout ce que je fais. J'ai déjà pas assez de temps à accorder aux gens que j'aime que... m'entourer d'autres gens qui seront que des sources de problèmes, potentiellement même, en fait. En fait, je coupe assez vite. Je pense que j'arrive à cerner assez vite les gens, et du coup, dès que je sens qu'il y a un truc qui ira potentiellement pas, je cherche pas plus, et juste ciao, quoi. J'ai tendance à être un petit peu pareil. Avant, j'essayais de m'accrocher même aux personnes négatives pour... prouver mon absolue valeur. J'avais besoin que tout le monde m'aime tout le temps et que je prouve aux gens avec qui ça se passait pas bien qu'ils devaient quand même m'aimer, qu'il y avait plein de raisons pour pouvoir m'aimer, ce qui est complètement stupide. Et c'était pas par rapport aux autres personnes, c'était vraiment un miroir où je me renvoyais ma propre image. Et ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire avec le temps et les années. J'ai tendance à plus du tout me prendre le fou et à très très vite limiter les échanges. Dès que ça se passe mal, dès que ça me convient plus, ok, next, je passe à la suite et je me prends plus la tête parce que j'ai plus le temps et parce que je me suis rendu compte que c'était pas positif pour moi. Il y a personne à qui je ne peux pas pardonner, pas parce que ce qui aurait pu m'être fait est pardonnable, mais parce que je m'aime suffisamment pour accepter de pardonner aux autres. Parce qu'au final, en fait, quand tu pardonnes pas, tu t'emmagasines de la haine, t'emmagasines de la colère, et en fait, l'autre, ça, il le ressent pas. C'est à toi-même que tu fais du mal quand t'es dans cet état d'esprit.
Et du coup, pendant de nombreuses années, j'ai été quelqu'un de très en colère, de très... j'étais quelqu'un d'en colère, j'étais une jeune personne. Et d'ailleurs, je me suis sentie beaucoup résonner avec le discours de Mado du Time Out d'il y a 3 semaines, je crois. Lorsqu'elle a parlé de tout ça, je suis allée la voir direct sur Insta. J'ai dit, Mado, t'as dit tout ça, je me reconnais tellement dans ton discours. Du coup, ouais, j'avais emmagasiné beaucoup de colère. Aujourd'hui, j'ai pardonné à toutes les personnes à qui je devais pardonner, principalement à des personnes de ma famille avec qui ça s'était pas forcément bien passé. Et j'en suis que contente, en fait. C'est toujours un peu compliqué sous certains aspects, mais j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin et de partir du principe que je vais pas empoisonner mon quotidien à moi, qui n'a plus aucun lien, en fait, avec ces personnes-là. Et me faire du mal alors que j'essaye d'avancer dans ma vie. On parlait tout à l'heure du fait que j'étais très orientée vers le passé et que j'avais un côté très nostalgique. C'est très vrai, mais sur certains aspects, j'essaie justement de pas trop regarder derrière pour pas perdre de temps à me morfondre ou à retomber dans certains travers ou dans certains souvenirs qui seraient douloureux. Du coup, j'essaie de rester fixée sur les objectifs devant et d'avancer, quoi. Après, je sais pas si c'est lié à mon trouble de l'attention ou si c'est juste parce que je suis quelqu'un d'hypersensible de base, mais j'overréagis pour tout. Et c'est pas toujours évident, parce que des fois, une petite altercation à la con, genre exemple stupide, concret, qui s'est passé il y a 3 jours en arrière, je vais avec le carton à la poubelle, j'avais une quantité de carton astronomique et j'avais pris mes ciseaux avec moi. Parce que bah, forcément, quand ça rentre pas, tu vas pas poser le carton à côté, parce que bah, sinon, il l'embarque pas. Et sinon, faut aller à la déchetterie, c'est chiant. Donc du coup, je vais à mon truc avec tous mes cartons, je coupe, je plie et puis je mets dans la poubelle comme il faut pour que ça puisse passer à la benne de recyclage. Jusqu'à là, rien de sensationnel. Et y a un voisin qui passe par là, un mec du garage qui était là en vélo et qui commence à me faire la morale parce que vous comprenez, mademoiselle, vous pouvez pas mettre les cartons là comme ça, il faut aller à la déchetterie, ça c'est pas normal. Donc je l'envoie chier bien copieusement en lui disant bah, j'ai une paire de ciseaux, je sais quand même ce que je fais, foutez-moi la paix, quoi. Et en lui disant qu'on se permet toujours de faire les commentaires auprès des personnes qui font les trucs correctement un minimum, donc qui me foutent la paix. Et j'ai ruminé cette action qui était une interaction complètement anodine du quotidien de quelqu'un qui fait une remarque à une autre. Je l'ai ruminé pendant 2 jours. Putain, il m'a dit ça. Non mais tu te rends compte? Et peut-être que j'aurais dû lui dire ça comme ça. Non mais franchement, pour qui il se prend? Et puis il habite où? Est-ce que je vais le recroiser? Et puis si, et puis c'était quelle heure? Parce que si je peux le recroiser, et pourquoi pas, je lui referais la morale à celui-là. Non mais tu te rends compte? Et c'est ridicule, c'est complètement con. Donc si on en arrive à ce stade-là pour des interactions aussi simples et aussi bêtes, quand ça devient un petit peu plus dramatique, un petit peu plus grave, ça a tendance à me bouffer l'intégralité du cerveau, l'intégralité du corps. J'en ai des symptômes physiques, j'ai mal au plexus, j'ai du mal à respirer. Enfin, l'anxiété me bouffe, quoi, me ronge vraiment physiquement. Donc c'est un processus en cours qui n'est pas du tout maîtrisé encore, mais qu'il faut que j'applique pour mon propre bien, parce que sinon j'explose. Quoi. Voilà. Pour une histoire aussi bête qu'une benne à carton. I feel you. Qu'est-ce qui vous aide ou vous a aidé à vous sentir mieux dans votre corps? L'âge. C'est vrai? Ouais. J'en ai un petit peu plus rien à foutre maintenant que ce que je pouvais en avoir avant. Mmh. Et en fait, c'est une discussion que j'ai eue cet été avec quelqu'un, à mon enterrement de jeune fille d'ailleurs. En fait, je m'étais jamais positionnée sous cet axe-là, et c'est assez intéressant. En fait, j'ai le privilège de correspondre à un profil ultra normé. Je suis grande, blonde, je suis plutôt mince. Enfin, j'ai pas, voilà, je suis vraiment dans un cadre très spécifique de clairement de privilège physique, on peut dire, en fait, finalement. Et en fait, ce cadre-là, je l'ai toujours vécu comme un absolu à ne surtout pas dépasser. Donc en fait, je me suis toujours mis des pressions absolument monstrueuses à ce que tout soit toujours ultra carré, ultra net, ultra précis, à ce que je sois toujours tiré à 4 épingles, toujours ultra bien présentable, à pas prendre 1 gramme, à toujours surveiller ma balance, enfin, je veux dire, tout ce qui fait finalement partie de ce qu'on inculque aux femmes dans la société, quoi. Et avec le temps, avec le recul et avec une déconstruction qui n'est d'ailleurs jamais terminée, j'ai appris et j'apprends toujours à vraiment me mettre en retrait de ça et essayer de le voir un petit peu plus avec de la distance.
et à me dire que non, en fait, j'ai pas besoin de rester absolument dans ce cadre, de lutter contre le fait que je prends des années forcément, naturellement avec le temps, que c'est normal, que il faut, enfin, je veux dire, j'apprends à plus avoir comme objectif final et comme représentation de ma valeur ce à quoi je ressemble ou ce à quoi je devrais ressembler. Je dirais comme ça. Voilà. Et du coup, le fait de vieillir te permet de te détacher de cette espèce d'idéal. Du coup, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est ça. Et oui, vu que c'est un travail qui se fait avec le temps, c'est quelque chose qui est inculqué très fort. Et en plus, moi, dans mon éducation, on me l'a inculqué depuis toujours. Enfin, j'avais 12 ans, on me disait de rentrer le ventre et de me tenir droite, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré fort. C'est au fer rouge, en fait, ancré en moi. Donc, c'est le temps qui me permet de pouvoir prendre cette distance par rapport à ça et essayer de m'en défaire, même si c'est pas évident. Mais ouais, carrément. Donc du coup, j'irai l'âge, le temps et ouais, les remises en question, mais qui vont nécessairement avec le temps, quoi. Et du coup, Papa You, qu'est-ce qui t'a aidé ou qu'est-ce qui t'aide à te sentir mieux dans ton corps ? Il y a deux choses. Il y a une, c'est aussi l'âge. Du coup, avec le temps, tu t'apprends à un peu plus t'en foutre. Et le sport en fait, enfin le fait de faire du sport, enfin c'est même pas physiquement, c'est juste tu te sens bien dans ton corps, enfin en tout cas pour moi ça marche, tu te sens bien dans tout ce que tu fais et tout, je sais pas, ça t'apporte ce truc de bien-être, c'est un peu bateau quoi, mais il y a ce truc là. Et un vrai truc aussi, c'est dans sa globalité, c'est la première fois que en parlant du Japon, que je suis allé dans un onsen avec masse de gens, j'étais en mode, putain, on va vraiment être à poil, tous ensemble et tout. Et en fait, à la fin des différents séjours que j'y ai fait, à la fin, c'était, en fait, ouais, c'est de se mettre à nu devant des gens et tout. Après, je sais pas, j'avais envie de le refaire en France, de partir. Limite, mais non, mais en vrai, ça a vraiment ce côté où, en fait, les autres s'en foutent de toi, ils vont pas te regarder. Enfin, c'est toi, quoi. Enfin, c'est super cool. Enfin, je pense que c'est une expérience que tout le monde devrait vivre, juste de se foutre à poil tous ensemble. J'imagine l'article à la une, genre arrêté pour exhibitionnisme, Papa You dans les rues de Paris. Avec une pancarte, foutez-vous à poil. Enfin, de Lyon, pardon, non, c'est vrai. De Lyon, ouais. Ouais, pas loin de Lyon. Au parc de la Tête d'Or. mais non, mais en vrai. Après, ça, c'est vraiment un truc. Et c'est au début, c'était vraiment en mode, putain, mais ils vont tous te regarder et tout. Ça va être bizarre. T'as pas forcément envie que tout le monde te regarde, quoi. Et en fait, tu rentres dedans, tu te rends compte que personne te regarde. Enfin, les gens te parlent et tout, mais que tout le monde s'en fout de te zioter ou de te scruter, quoi. Enfin, après, c'est peut-être la mentalité là-bas qui est comme ça. Mais c'est une super expérience, en tout cas. Ah, c'est trop bien les onsen. J'en ai fait un et c'est pareil, j'avais beaucoup d'appréhension et en fait il y avait beaucoup de mamies, donc d'un coup tu vois, genre la pression elle tombe, quoi. Tu te dis bon, bah ouais, c'est ça. Déjà, ouais, enfin tu te dis, ils sont chill là, et moi c'est pareil, ils étaient entre puppies là, et c'est trop trop bien. Et la première année j'en avais fait quelques-uns et la deuxième année c'était mon critère numéro 1 de tous mes logements. En mode, j'en veux tout en... Le matin, je me levais, j'en faisais. Le soir, avant de me coucher, ça te relaxait et tout. Et juste une fois où c'était hyper bizarre, j'étais dans un hôtel et en fait, c'était un faux onsen. J'ai oublié le nom, mais c'est onsen pas naturel, quoi. Les trucs d'hôtel où l'eau a été chauffée, etc. Il n'y a pas trop de passages au moment où j'y vais et je suis vraiment tout seul. Il est peut-être entre 23h et minuit. Et là, la porte qui s'ouvre et un mec, un colosse, le mec se dessape. Full tatoué de dragon et tout, un yakuza. Il se pose à côté de moi et il me regarde en mode dégage. Je sens dans son regard qu'il veut juste que je me barre et je suis juste parti. Je me suis dit, je sais pas ce qui va m'arriver. Hyper impressionnant. Oh la vache. Et 100%, après, quand j'ai reparlé à des gens qui connaissent bien le Japon et tout, ils ont dit oui, 100%, c'est un yakuza. Et je sais pas, peut-être qu'il y avait un rendez-vous là plus tard, j'en sais rien, il voulait que je m'en aille. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? C'est dur comme question. Bah, c'est facile, moi, c'est mourir. Ah ouais ? Ouais, j'y pense souvent d'ailleurs. J'en rêve souvent aussi. C'est un truc qui me tracasse. Ah, je rêve de mourir.
Non, mais je... Ouais, ouais, je sais pas, c'est un truc qui me tracasse dans la vie de tous les jours. Et aussi, ce que je vais laisser, ce qui est con, hein, ça doit être très très humain comme réflexe, c'est à quoi je sers, en fait. À quoi je sers très concrètement, qu'est-ce que je vais laisser si demain j'existe plus. En fait, qu'est-ce qui va être impacté? Est-ce que j'ai un véritable impact sur cette Terre? Est-ce qu'il est positif, cet impact? Enfin voilà, c'est plein de choses auxquelles je pense assez souvent. Je suis quelqu'un de très anxieux en plus. Donc, ça a tendance... c'est des pensées qui vont vite venir me parasiter, par exemple, quand je vais aller me coucher, forcément, les moments où techniquement on est censé se reposer, se relâcher et se laisser porter par l'endormissement. Généralement, mon cerveau, il fait... Et demain, si tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as apporté ici? Est-ce que ton impact est vraiment positif sur cette Terre? Est-ce que tu pourrais pas faire mieux, tu penses? Donc voilà, ouais, je dirais que c'est la mort et le fait de disparaître, en fait. Plus que... La mort, c'est la disparition, mais on peut mourir sans complètement disparaître, en fait. Donc, ouais, je dirais que c'est plutôt dans cette optique-là, pour moi. Est-ce que c'est genre mourir trop tôt pour avoir laissé un impact suffisamment positif? Peut-être, ouais. Ou d'avoir eu une existence... C'est pas mal d'avoir une existence où t'as rien fait d'héroïque ou de sensationnel ou de notable. C'est très bien aussi. Mais je sais pas, c'est un truc qui me travaille, ouais. Ouais, ça me travaille, ça. Ma plus grande peur, c'est d'être seul, je pense. C'est d'être... Enfin, non, je crois que j'en ai plusieurs. C'est d'être seul... D'être oublié et de laisser indifférent. C'est trois peurs en une. Mais je crois que c'est un biais d'un peu d'artiste. En fait, dans mon travail, ce que je préfère quand je crée, c'est... ce qui donne le plus de satisfaction et de joie, c'est d'avoir un impact sur les personnes qui vont le lire, le voir. C'est de susciter une émotion. Et juste que quelqu'un... même s'il déteste, en fait, je crois que le pire, ce serait que quelqu'un dise... Bon, non, ça me... Je ne repense à rien. Et je crois que du coup, ouais, ça fait partie de mes plus grandes peurs. C'est de laisser indifférent et d'être oublié, de pas être assez bon dans ce que je fais pour être oublié aussi après mon passage, quoi. Enfin, j'ai envie de, par mes œuvres, moi, qu'on ne se souvienne pas de moi, mais en tout cas mes œuvres, à terme, j'aimerais qu'on s'en souvienne un minimum, au moins une personne. J'aime bien, quoi. Et donc voilà, je pense que ça, ma plus grande peur, c'est d'être oublié ou de laisser indifférent. Alors, une question que j'oublie à chaque fois, à chaque émission, et genre, ça va être la première fois que j'y pense. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est quoi vos réseaux? C'est quoi vos prochains projets? C'est quoi au bar? Lequel? J'arrive. Tous. Sinon sur Insta. Sur Insta, je poste surtout de la photo, mais en réalité, c'est un peu un des seuls réseaux sur lesquels je suis vraiment active. Twitter, j'essaye de pas trop y aller parce que ça me bouffe la tête. Donc du coup, voilà. Mélissa, deux traits du bas et close. Ça marche. Ouais, il y a ton lien qui s'affiche. Waouh. Merci. Si on veut te contacter pour des shootings, on peut. Oui, absolument. Après, là, je suis pas mal... En fait, le truc, c'est que là, j'ai absorbé une charge énorme de boulot. J'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Donc là, je suis full jusqu'au mois de... Je crois jusqu'à la moitié du mois de mai. Puisque, bah, du coup, je bosse la semaine en tant que prod manager d'un côté, et après j'ai le taf de photographe où je bosse le soir, le matin et aussi le week-end. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Généralement, il y a deux mois et demi d'avance en termes de rendez-vous, mais ouais, carrément, si jamais, il y a tout sur mon site qui est en bio sur mon Insta. Et toi, Papayou, c'est quoi tes projets? Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Twitter, Insta, même si là je suis parti en ermite depuis maintenant un mois et demi. J'ai un peu déconnecté des réseaux parce que ça fait du bien de temps en temps de se déconnecter. Et d'ailleurs, c'est un truc de ouf de se rendre compte qu'au bout de quelques jours, alors que j'étais vraiment tout le temps dessus. À quel point c'est tu peux t'en passer, quoi. Enfin, très bien même.
Ouais. Et donc, du coup, ça m'a fait du bien. Mais bref, mais je reviens bientôt parce que j'ai des trucs qui arrivent. Donc, c'était sur Twitter et sur Insta. Twitter, c'est papayoufr et Insta, je crois que c'était noté dans le chat. Et dans les projets qui arrivent, là, je bosse toujours sur... Je fais un webtoon pour les éditions Dupuis, pour leur, web, pour leur plateforme Webtoon Factory. Ça arrive en fin d'année. J'ai aussi des projets de BD qui arrivent, qui n'ont pas été communiqués, et des gros projets. Et c'est pour ça que je vais revenir sur les réseaux pour les annoncer, parce que d'ici là, ce sera confirmé ou non. Eh ben, trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. C'était trop cool. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Salut. C'était trop cool de vous avoir. La semaine prochaine, je reçois Ben Dimanche et Cindy ADB sur Time Out. Et voilà. Merci. Des gros bisous. Salut tout le monde. Ciao.